donc ça fait 6 mois que je vous ai opéré. Hein, ça fait fin mars. Fin mars. Donc là, on est en octobre, ça fait 6 mois. Oui. Comment ça s'est passé? Eh bien, les premiers jours, on va dire les 10 premiers jours, 10-12 jours, j'ai eu mal. J'ai eu mal, j'ai eu peur parce que j'avais très mal. Et puis, la douleur est tombée. Après, j'avais un petit souci parce que j'étais plutôt asymétrique. Donc, vos assistantes m'ont beaucoup m'ont dit que c'était pas grave, que ça allait revenir, que c'était normal. La chirurgie, en fait. Vous avez une asymétrie de gonflement. Vous avez un hématome d'un côté qui n'allait pas de l'autre. Exactement. Et avec le temps, et ben oui, en effet, ben, ça a disparu complètement. Et après, ben, je me suis rendu compte que je ne les appelais plus. Donc, c'est. Voilà. Et depuis, tous ces mois, je suis bien dans ma tête. C'est comme une psychothérapie. Alors c'est sûr que je suis plus belle, je suis plus jeune. Les gens ne le voient pas. Et ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire qu'ils me disent « Oh, mais t'as bonne mine voilà. », mais ils ne le savent pas. Ceux qui le savent sont un peu jaloux, je vais pas vous le cacher. Ils ont tous, du coup, on me pose beaucoup de questions, ils ont tous envie de venir voir un petit peu. Et parce qu'on n'ose pas. Voilà. Depuis tous ces mois, je suis une autre femme en fait. J'ai 53 ans et j'ai l'impression de recommencer une deuxième vie. Génial. Je me sens bien dans ma peau, mais ça c'est merveilleux. Pour tout le monde, pour mon entourage, pour mon compagnon qui a eu peur, parce que et qui voit qu'en fait, au contraire, ça, je suis bien, je suis peut-être plus gaie, plus calme, plus heureuse en fait. Voilà. Bravo. J'avoue que je suis très très contente et je ne regrette rien. Parfait. Bien, écoutez, merci. Merci pour ce témoignage. Merci à vous. On le diffusera de façon à ce qu'on ne vous reconnaisse pas, mais je pense que ce que vous dites va aider beaucoup d'autres, patientes. Il faut que les gens sachent en fait que voilà, on va dire que le premier mois est compliqué parce qu'il y a le visage qui se modifie. Voilà, donc on passe par des œdèmes, des fois c'est les yeux, des fois c'est en haut, des fois c'est en bas. Donc c'est un peu difficile. Psychologiquement. Et puis, mais bon, avec vos assistantes qui peuvent nous aider à chaque fois qu'on appelle en disant mais non, elle ne fait rien, c'est normal, il faut y passer. C'est, voilà. Mais après, c'est vrai qu'avec le temps, moi j'ai une maman quand elle me